إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده الحمد لله Nous continuons avec nos leçons. Comment pour éviter la dispute entre Mishnik Madame, comment pour pas grave, ben problème qui gagne entre Mishnik et Madame. Alors le principe c'est un point, ben c'est pour qui chacun vous en fait. Alors nous continuons l'heure même, ben c'est pour qui chacun vous en fait, qui est capable d'aider nous pour qui quand il y a un problème, ça problème n'est pas empiré. Et ça aide nous pour qu'il ne pas tombé même, même dans un problème, ne pas rentrer même dans un problème. Parmi ces pense la réunion des enfants. Et ça, il y a un monde qui peut dire le contraire, il y a un monde qui peut dire non, vous avez un problème avec Michel, vous pouvez dire ça problème là, vous pouvez moi ou prendre compte aux enfants, ou bien Michel vous dire, vous avez un problème avec madame, vous n'avez pas pour. Prendre compte pour les enfants, vous pouvez dire ça problème là. Mais la personne qui, en vérité, a un petit peu d'intelligence, il peut raisonner de sa façon là. Parce qu'une fois qu'un monsieur, madame, il voit qu'ils ont fini les enfants, une façon de parler, ils sont inséparables. Malgré qu'il y a un talak de l'islam, mais les langues, ils sont inséparables et ils sont inséparables dans le sens que sa maman là, il peut rester maman. Ses enfants là, sa papa là, il peut rester papa de ça, ses enfants là. Vous pas dans ces là là. Et quand il y a une séparation, comment une madame comporte-t-elle, comment une maman comporte-t-elle, comment un papa comporte-t-elle. Et nous avons déjà posé l'eau là, dans les sons Havana. Mais il y a beaucoup d'erreurs qui déroulent dans cette situation-là. Quand un monsieur, une madame une séparée, chacun redresse les enfants là de son côté, d'une telle façon qu'on va dire. Quand il voulait ça la guerre qu'il a gagné avec ce monsieur là, ses enfants aussi gagnent ça, ou bien ça la guerre que ce madame, il a gagné avec ce madame, il voulait, on va dire, ses enfants aussi gagnent ça, ça la guerre là. Et puis il a dit que ça c'était un gros erreur. Mais, nous cause, pas encore séparé, si tu avais une séparation, nous pas disque, nous problèmes qu'il a gagné, nous pensons aussi de qui les fait ça pour nous, ça va les enfants là. Et surtout dans l'époque aujourd'hui, nous avons des enfants, dans toute l'époque, nous avons l'époque les plus qui sont encore, qui ont des enfants qui ont besoin de leurs parents pour qu'ils soient capables de résister contre la fitna qui est dans la terre. Et les enfants ont besoin de leurs parents pour contrôler lui-même. Quand maman, papa, la guerre, maman, papa, je ne suis pas en bonne terre, les enfants se sentent comme un tel, se payent une autorité sévère, l'autre se claque. Et la vie passe sévère. Parfois, ben, maman, ben, papa fait un gros rire. Quand il y a un problème, monsieur, madame, quand maman là, si papa crie avec les enfants là, papa la prend pas. Si papa là peut crier, maman la prend pas. Les enfants pour garder dans ça, de cette façon là. Alors, l'eau là, il y a beaucoup de manières qui associent. Mais si un démon est intelligent, il peut connaître qui moins les enfants, puis il y a un petit problème entre moi et madame, pour résoudre ça, pour ne pas faire un gros problème. Parce que mes enfants aussi, pour passer dans sa vanne, problème là, ils ont besoin de payer les conséquences de ce problème là. Alors, il y a beaucoup de situations qui gagnent comme ça. Quand il finit séparé, il finit prendre bagage, il finit aller. Ensuite, il finit aller. Ensuite, il finit séparé. Ensuite, il finit retourner. Alors, l'islam enseigne, mais pas besoin de séparer même pour qu'après, retourner. Donc, ça, c'est un premier conseil. Nous avons envie. Évite problème entre nous, nous avons envie, évite dispute entre nous, nous ne voulons pas empirer le problème qui nous gagne entre nous, c'est qu'il nous vient faire, c'est
quand nous avons un problème, pas prendre l'eau nous-mêmes, nous faire nous la rage, ou bien nous prendre une décision, ou bien même qui se parer. Nous disons tout le temps, avant de dire quelque chose, avant de faire quelque chose, pense en TMB. Qui l'effet ça pourrait donner aux bons enfants? Est-ce qu'il est dans l'avantage aux bons enfants ou bien il est dans désavantage aux enfants? Alors, il y a deux qui ont une séparation, il est dans désavantage aux enfants. Si pas quelqu'un a fait autrement, même, bizarre même séparé, alors, si pas quelqu'un a fait autrement, pas quelqu'un a fait autrement, mais tant qu'à part, il ne faudrait pas qu'il y ait une séparation parce que ça pourrait donner un mauvais effet aux bons enfants. C'est un premier problème, un premier conseil. Deuxième, pas relayer un problème qui finit résoudre. Pas relayer un problème qui finit résoudre. Ça, c'est un travail qui ne sait pas ni faire nous faire. Définitivement, quand on peut vivre au salaté là, n'importe qui s'en a, si nous prenons une relation avec Allah même, combien de péchés nous faire? Combien de péchés nous finissons de faire? Est-ce qu'il nous est pas content que chacun péché qui nous finit de faire tauba pour ça? Nous est pas content qu'on va dire Allah subhanahu wa ta'ala lui relève ça ou bien lui humilie nous à cause ça, lui attrape nous avec à cause ça? Nous est pas content si nous finissons de faire tauba, Allah pardonne nous pour ça, Allah pas attrape nous pour ça. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas satisfaits avec quelque chose pareil, nous ne sommes pas contents de quelque chose pareil si un djibou fait ça avec nous. On vient de nous même, on va dire, où tu dois aller dans un on t'en pour retourner. Ça fait un problème. Finalement, on retourne dans un on fait pour une esquisse. Après, on va dire, on peut vivre normal. Après 10 ans, 3 ans, il y a un problème. Alors, il dit, je ne peux pas rappeler que je dois moi l'argent, que je peux t'en ou de moi l'argent là. Ne pas pour content. Qui fait parce que même que nous pouvons accepter, si il y a ça aérien là, de nous pas, nous ne faisons ça aérien là, mais quand il y a un problème qui finit de résoudre, peine à personne qui content ça. Donc, nous disons, quand un erreur finit un erreur et finit pour t'excuser ou bien finit de résoudre, nous vous avez commencé le problème parce qu'il existait même. Dans l'islam, il y a un hadith, At-ta'ibu min al-dambi kama la dambala. Celui qui fait tauba d'un péché, comme si jamais il fait péché là. Comme si jamais il fait péché là. Donc, si un madame vient rire, les côtes s'excusent, les rétractent, les corrigent, nous vous avons fait commencer, nous madame, jamais il fait ça rire. Comme jamais péché là, c'est venu rire. L'infini corrigé, l'inarrêté, l'insensé, même si il va le porter un esquisse. Fait comme déjà, un miché, les types, les jeunes camarades de l'école, petites filles par exemple, et les types continuent, et a aboli le message. Aboli le message. Une cause en lui, ou bien l'approcher la mandonne. Ou peut trouver l'insensé, l'arrêter avec ça, petite chose là. Alors, pas quand du monde finit arrêter qu'un péché, l'inrétracter, ou venir nous dire, tu ne pas rappeler que je vais faire ça, tu ne pas rappeler que je vais faire ça. Alors, si à chaque fois qu'il y a un nouveau problème, nous venons revivre le problème, qui comme déjà, tu finis enterré, tu finis vers des femmes, nous revivons ce problème là, mais ça n'est pas aide pour qui comme déjà, nous pour vivre d'un bon avec un bon terme, nous pour vivre bien monsieur madame. Alors mon conseil c'est n'importe quand gagne un problème, nous tacle sa problème, nous résoudre sa problème là, pas revivre avec un problème qui comme dire infini dans le passé, pas une revivre problème qui comme dire infini en terme. Parmi maintenant conseil afin qu'il ne n'a pas en pire un problème qui vient avec madame, nous évite un problème, c'est nous disons qu'on accepter conseil. L'islam il enseigne qu'on donne conseil, il enseigne nous qu'on accepter conseil, nous pas donne conseil comment dire nous peut humilier du moins, ça pas appelle ça conseil. Ne pas conseiller un djimoun, pas humilier un djimoun, pas bon, façon n'a pas bon. Même qui
du monde qui nous donne conseil là, même de quelle façon nous donner, ils ont accepté conseil là, mais l'islam il enseigne une façon de nous conseiller. Il y a une façon de nous conseiller. Comme ça même, quand du monde donne nos conseils, et nous devons accepter conseil. Nous devons accepter conseil. Alors, Shaitan, quand Michel Matin peut vivre, il y a d'autres qui peuvent vivre comme un camarade, mais nous disons aussi qu'il ne faudrait pas respecter les enlever. Alors, parfois, le problème est beaucoup quand Michel Matin peut vivre. Je ne peux pas vivre camarade, causer rien, mais quand ça respecte la fin enlever, les là, pour une avance. Pour avoir un problème, qui vous l'avez. Donc, il ne faudrait pas que monsieur et madame, ce bébé, n'aient plus de respect. Et madame, il y a besoin d'un respect pour ce monsieur. Et monsieur, il y a besoin d'un respect pour ce madame. Il n'est pas capable de dire, faire n'importe quoi, qu'il est monsieur, qu'il est madame. Il y a besoin d'un respect. Alors, quand il y a ce respect-là, un monsieur, quand ce madame peut donner un conseil, pour respecter le conseil de ce madame. Même ça fait. Une madame pour respecter le conseil de son Michel. Mais quand madame a un respect pour Michel, Michel a un respect pour madame, là, n'importe qui conseil, ça n'a pas besoin de lui donner, Shaitan, vous avez ça qui conseil de lui donner. Malgré qu'il n'est pas supposé prendre dans sa façon. Là. Nous disons qu'on. Nous disons accepter. Nous disons accepter le conseil qui peut de nous, même dans quelle façon il de nous conseiller, là, nous disons accepter. Mais nous besoin aussi qu'on donne conseil. Et quand nous n'avons plus un respect un envers l'autre, quand le conseil là n'est pas traversé. Papa même, papa, entre nous-mêmes, nous essayons de dire à notre monde, nous n'avons pas donné un conseil à quelqu'un, nous pas donner nous pas ça quand même de qui faire, nous pouvons trouver. Nous nous dire, il ne va pas écouter. Mais ça même poser à notre monde, il peut écouter. C'est une réalité. Nous vivons cette chose-là. Un bon causé, ou pour gérer un djimoun, il ne va pas écouter, il ne va pas prendre compte. Sans même causer là, vous faites un autre djimoun gérer, il peut écouter, il ne va pas prendre compte. Alors, chaque monsieur, il est bien qu'on vive avec ce madame, que ce madame peut toujours respecter. Chaque madame, vous vivez avec ce monsieur d'une façon qui monsieur là peut toujours respecter. Il est là qu'on peut un conseil là pour se valer. On sait là qu'on a sauvé le Shaitan, les béni, quand il y a les béni dans l'esprit, Michel, ça qui conseille, mais donne-moi ça. Ou bien, madame là aussi, les bovines, Shaitan, il y a sur l'esprit, qui conseille, qui les donne-moi. Alors, parfois, quand le Shaitan fait, nous ferme la porte là même. Et Michel, comment dire, ça qui conseille, vous venez de moi ça. Elle, j'ai les corrige lui-même. Ou bien, madame là, qui conseille, vous venez de moi, j'ai quoi dire, elle dresse même sur son façon causée. Mais même qui m'a demandé d'un monsieur, même qui est réel une fille, quand il me donne un conseil, il m'a accepté, même sa fille, elle, madame, quand il y a un conseil, ils m'ont accepté. Shaitan, il n'est pas content quand il donne un conseil, et il n'est pas content quand. Quoi dire, il n'est pas content si un jour il peut accepter un conseil. Il peut dire là-dedans. Pour lui, il peut sauter là-dedans quand il peut donner un conseil. Quand vous acceptez conseil, Shaitan sorti pire. Alors, il par content quand vous avez des conseils. Il par content quand vous acceptez conseil. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ad-din al-nasiha. Din, c'est le conseil. Din, c'est le conseil. Il veut dire si pas pour un tant qu'il y a un conseil, din pour débouter, faire, mais quand vous avez un conseil, quoi, din pour détruire. Din pour finir. De quoi nous démolir l'islam, si pas pour nous le conseil. Alors, si nous sincères dans l'islam, n'importe quel qui a un conseil, nous ne pouvons pas en colère, parce qu'il nous connaît, nous en tant qu'insan, nous avons une faiblesse, nous avons un manquement, nous faisons pécher, nous faisons errer, nous pouvons corriger, nous pouvons conseiller, nous accepter. Mais si un démon, comme un conseil, il est en colère, et ça c'est un mauvais dans lui. Et aussi, nous disons, comment dire, quand Dieu peut conseiller nous, quand nous disons content, parce qu'il nous les dit bien pour nous. Les bien, ou les dit bien pour nous, les bien conseille nous remercions, nous remercions pour conseiller qu'il est bien de nous. Alors, quand un démon les vit dans sa façon-là, les conseils sont madame,
Ce matin, conseille-lui. Et là, ce qu'il appelle le conseil, je pour vivre bien, Inch'Allah. Je pour vivre bien, Inch'Allah. Mais si Pena même conseille directement la guerre, directement à l'Apic-Lotla, Pena conseille, alors, c'est pas une façon qui. C'est pas une façon de vivre, pas pour la tranquillité dans la case, et c'est pas une façon, comment dire, pour éviter le problème. Alors, ça, c'est un peu un conseil encore, quand nous envie vivre bien, pour payer la discussion, pour pas empirer la situation, c'est. Nous ne devons pas accepter les conseils, c'est pas les soins emportés par l'arrogance, un chef, ni nous l'ami, les pour, comment dire, faire, mais c'est là, ressenti, mais c'est pour accepter les conseils de madame, comment dire, les qui m'ont bossé dans la case, quand on dit madame, chef, les pour faire, ou soit ça dans la tête, ça, Michel, là, si tu acceptes ce conseil, comment dire, les qui m'ont bossé dans la case, même ça fait. Chaitan va voir soit ça de la tête, madame, si tu acceptes ce que tu conseilles, je te peux finir, montre-toi qui tu as fait et tu finis, montre-toi qui tu as perdu. Pas accepter conseil. Alors, quand pas accepter conseil, pour un rebelle, quand pour un rebelle, pour un chacun pour composer comme un rebelle, alors, là, ce n'est pas comme ça qu'il nous peut rouler, nous pour gagner la tranquillité dans nos lives. Parmi mes conseils concernant. Pour moi, un conseil pour pas pour éviter des disputes, c'est pas chercher recours aux mensonges. Alors comment nous connaissons digne, c'est digne de la vérité, digne de la vérité. Quand le dit Allah le Rasoul a vu le bout d'un wadi le haq. Allah Taala finalement ce Rasoul avec la guidance est digne de la vérité. Alors, nous acquérons vrai, nous disons tout ce qu'on a information qui est vraie dans le Coran, et nous disons ce qui est vrai. On n'est pas capable de nous dire vrai, nous nous mentir. Il y a beaucoup de gens, je ne prends pas compte, je finis cause mentir. Et parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas mentir, qui sont méchamment. Les péronés, comment dire, les péchés recours, comment dire, à mensonges, comment dire, les péronés pas empirer une situation, les péronés pas gâter une relation, les péchés ont menti, pour qu'ils se méchent pas connaît, ça va venir un problème. Alors, qu'on est puis, pas dire une vérité, parfois, l'impossible, l'impossible, pas nécessaire de dire toute vérité sur une madame. Les pour dire toute vérité, car pour un par exemple, un papa, il perd le travail, il dit à ses enfants, de faire manière de finir les 8 heures. De faire manière de finir les 8 heures. Les enfants là, ils levaient 10 heures. Les enfants là, ils levaient 10 heures. Maman là, s'il est trop. L'immédiat dans sa situation-là, par cause sa vérité-là, capable d'un problème, il n'est pas causé. Capable de la rentrer, il n'est pas causé sa cause-là. Il n'est pas une cause en vérité. Il n'est pas une cause en vérité, il veut dire, c'est pour. Il ne peut pas dire papa là pour venir battre ses enfants-là, qu'on va dire, pour avoir cette intention dans la case, pour avoir l'atmosphère, la case, pour gâter. Sa tranquillité, la joie qui prend la case, il vous garde. Alors, il n'est pas un dire papa là, lui-même, il nous conseille, ce garçon, on ne peut pas arriver à lui parler. Il n'est pas un dire une vérité. Ça, il gagne le droit de ne pas dire une vérité. Si il n'est pas nécessaire, ou bien il trouve plus d'avantages. Mais, il n'est pas gagné le droit de cacher, ou bien cause un anti. Si papa la rentre dans la case, il y a qui les enfants en bébé. Qui les enfants en bébé. Ma maladie de ce esprit de dire, si vous vous dites c'est demi, pas quoi un problème. Si vous dites oui demi, pourtant ça va rien dire. Si vous dites oui demi, pas un problème. Dans la cave, qu'il y a, pour éviter un problème, des causes mentir. Mais non, c'est demi, je finis l'élevé. Papa est content, parce que d'une dire, ces enfants-là finissent l'élevé, 8 heures, les enfants ont fini l'élevé, c'est demi, même souvent, c'est demi, même fini l'élevé. Correct.
mensonge, ben frère, ben soeur, pas capable de cacher de ça. Et je passe là, après un petit moment encore, parce que quand je dis, parce que je dis pas demain, quitte chose là, les pour invisibles, les pour nucléaires. Alors, dans le moment qui peut cause mentir, un autre problème capable à éclater si ce papa là le connaît. Alors, à ce côté, madame là, maman là, je peux éviter un problème, papa garçon, le papa petit fille. Ça fait un problème avec Michel. Michel a dit que c'était un gros menti. Zanval disait que c'était un livre, c'est pas 7h30. Alors, il y a beaucoup moins de situations, que tu as dit que cherche recours à ce qu'il m'appelle mensonge dans l'islam. Il ne faudrait pas nous cause mentir. Mentir, il y a une relation, il y a une pire situation, il n'y a pas beaucoup moins à dire. Il y a une solution, il n'y a pas une tranquillité dans la case, dans l'équerre, il n'y a pas une confiance en tant que couple, il faut enlever sa confiance là. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « As-siddiqu tuma'nina wal-kadibu fa inna as-siddiqa tuma'nina wa inna al-kadiba riba » Qu'à cause vrai, ça amène la tranquillité, qu'à cause menti, ça amène le doute dans l'équerre, il amène le doute dans l'équerre. Veut dire, quand nous cause vrai, ça lui coûte dans nous l'avantage. Ça lui coûte dans nous l'avantage. En tout cas, il peut dire vraiment. Alors, ça c'est un erreur qui est en avant du monde faire. Pas nécessaire méchamment. Veut dire, madame, la peut causer un menti. Il n'y a pas de cause de mentir, comme je dis, il peut ouler, coca qui te sauce, ou bien un bête sur Michel, l'ouen qui te sauce, non. Il peut trop, il peut cause de mentir pour éviter un problème. Il peut trop, il peut cause de mentir pour éviter un problème, mais en fait, pas un problème, pas non. Il peut pas éviter un problème, il est capable de mettre un plus gros problème. C'est pas ce que nous en connaissons. Mentir qui était ça, haram. Mentir, il est haram. De haram, pas capable et la solution. De haram, pas capable d'aider Allah, satisfaction Allah, de haram, pour aider Shaitan, pour aider, comment dire, c'est Shaitan qui peut satisfaire. Donc, n'importe qui problème, gagner en tant que chicken madame, cause vraie, nous redire, si on a pour cacher une vérité, pas nécessaire de dire une vérité, une madame Bétrou, s'il vous dit une vérité, ça a un problème. Un Michel Bétrou, s'il dit une vérité, ça a un problème. Il n'est pas peut dire, dans cette situation, il fait un problème. Mais cause mentir, ça n'a pas. Ça n'a pas, non, les bouvines un problème. Donc, ça, c'est certainement un conseil général qui nous vient citer, je veux dire, nous cite 16 un conseil comment. Un monsieur, une madame, une précaution qui chacun les apprend, qui sont capables d'être autres pour éviter une dispute entre les autres dans la vie, dans la vie mariage, entre monsieur et une madame, comment pouvez éviter un problème. Ensuite, nous venons dans la deuxième partie, c'est Zéro qui chaque monsieur les affaires. Zéro qui chaque monsieur les affaires, il peut faire une son madame là, nous pas dire qu'il n'est pas concerné nous. Les concerne nous parce que c'est une connaissance. Une madame il porte à ça avec son chien. Et une madame il les connaît parce qu'il devient petit maman encore son enfant marié. Et pourtant, il finit commence à inculquer ça dans ses enfants afin qu'ils devaient ses enfants vivent bien. Parce que si un chien, madame, finit là, je suis marié, je finis là, enfants, je suis un grand à la case, grand le tout, le. Mais seulement, je le mari, je ne suis pas vivre dans la tranquillité, mais pas sur le pays, la tranquillité, pas pour la tranquillité dans la vie. Pas pour la tranquillité dans la vie. Alors, nous bien connaît un Michel, comment aller vivre, un madame, comment aller vivre, parce que sa connaissance, nous bien transmettre ça à nos enfants pour qu'ils deviennent, je te dis bien, même affaire. Moi, j'ai un garçon, mon grand Jimmy, mon fait sur la cage, mon fait l'autre, mon mari, en général. Un parent, il est content, il est marié ses enfants. Ce garçon, c'est-à-dire, chaque 2 jours, chaque 3 jours, peut-être une discussion en bas.
Si pas comme une belle-fille finit à côté de son maman, si pas belle-fille, son maman, son papa, son frère, minime, il maltraite du monde devant la porte, alors même qui risque sous Ena, au bout de sentir, comment dire, mais c'est un gros problème dans la vie. C'est un gros problème dans la vie. Alors, à cause de ça, comment dire, ça sujet là, il n'est pas, comment dire, papa, on les dit, moi, madame, vous avez dit ce qui madame, et moi, monsieur, vous avez dit ce qui monsieur, vous pouvez dire ce moi, non. Nous avons pris dans son intégralité, nous prenons au complet et nous ne pensons pas, nous pensons à nos belles enfants. Qui va nous conseiller, qui nous besoin de nos belles enfants pour qui demain, quand vous êtes marié, vous êtes vivre avec ce monsieur, vous n'avez pas créé un problème, vous n'avez pas. Mais je ne rends pas la vie même amère, je ne pas mettre même dans ma situation difficile. Alors, c'est pour qui ça s'appuie dans la vie numéro 1, c'est pas abuse de ou l'autorité. Pas abuse de ou l'autorité. Alors, quoi, vous connaissez? L'islam fait une décrété comme ça, qui a misé dans la case, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui détenait l'autorité dans la case, pas capable d'être décif. Dans la case, pas capable d'être décif, il n'est pas possible, monsieur là aussi un chef, madame là aussi un chef. Ça, le pape ou mort, c'est ça. Et il y avait beaucoup de gens, et c'est ça qui était la vie, ça qui était la vie, qui m'a le café. Vous avez depuis envie du monde amené, monsieur là, il fait ce qu'il voulait, madame là, pas le droit d'y aller dans rien, madame là, fait ce qu'il voulait, madame là, fait ce qu'il voulait, monsieur pas le droit d'y aller dans rien, monsieur là, rentre dans la case, l'air qu'il voulait, madame là, rentre dans la case, l'air qu'il voulait. Donc, sa façon de vivre là, c'est pas une façon de vivre, comment dire, pour une tranquillité dans la case. Mais, quand nous causons en termes, un chien est une autorité dans sur la case, nous disons qu'on est qui, sa autorité là, elle est une limite. Il y a une limite, mais il y a un miché, les gens connaissent quand l'autorité peut commencer, quand il peut terminer, et il n'a pas gagné droit, comment dire, il n'a pas gagné droit à abuser de sur l'autorité. Alors, toutes les choses, quand il y a un abus, il y a une exagération, il peut faire plus qu'il vise, ça peut amener dégoût, il peut amener la haine, il peut amener, comment dire, il n'y a pas une tranquillité dans la vie de Dieu. Donc, si un niché, les gens vivent bien, les vivent comme chef, ce madame peut accepter comme chef, mais pas, il n'y a pas fait, comment dire, il peut exercer l'autorité, comment dire, il peut payer attention sur madame, renverser l'autorité, et alors ça petit bout, ça petit affaire, il peut rassurer que non, ce madame, soumet, moi qui chef, mon madame, une soumette, moi qui sais, c'est pas comme ça. Un monsieur, il sait dans la case, parfois, madame, il fait une certaine erreur. Mais c'est mal, il est toujours au chef. Alors, parfois, un monsieur, il est capable, parfois, il y a un conseil qui, un dimanche, car il y a une mauvaise personne, comme tu en poses, un camarade qui mourit, un camarade qui mourit. Ici, il y a parole là, il y a pas de mon la tête. Vous passez en gros marié. Et après, quand tu marié, tu madame, les croyants, c'est pas folle. Quand tu montes au lit, c'est tout bien, quand tu es très sévère là, tu amènes lit. D'ailleurs, là, comme je dis, les bouillons, c'est pas normal. Les bouillons, c'est pas normal. Mais si madame, ou quand tu es madame, elle c'est pas folle. Pas tout madame qui c'est pas folle. Les gens, elle c'est pas folle. Alors, comme je dis, ce qui te dit là, comment tu mouilles, tu madame, tu me disais comment j'ai donc lit, quoi, fini, amener l'oreille pour qu'il ne pas faire ceci par le folle tout le temps, quoi. Mais ça, c'est un erreur. C'est pas. Un monsieur ne pourrait pas dire abuse de son autorité. Quoi, un terme, une phrase simple, il disait un safe sans qu'il amène le safe dans la case. Il y a un safe, il y a un demi satique là. Les gens amènent son rôle safe sans qu'il faut dire. Il y a un safe sans qu'il amène son rôle safe là.
C'est Allah Rabbul Alameen lui qui met dans les caisses à madame là, respect pour son métier, soumission à son métier, accepter l'autorité de son métier. C'est Allah qui fait ça. C'est pas moi, mon besoin, comment dire, exerce mon autorité d'une façon, comment dire, mon père rassure moi, mon madame, pour soumettre, les pas pour renverser mon autorité. Non, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas une machine libre qui fait ça. C'est Allah Rabbul Alameen, lui qui met ça dans les quais à Michel, pitié pour son madame, ou bien lui qui met ça dans les quais à son madame, respect pour son Michel. Alors, il ne faudrait pas, quand Michel et madame peuvent vivre, menace de carrière, une rivalité, ça il n'a pas bon. Et en même temps, il ne faudrait pas, il a dominé, Michel avait dominé, il n'est pas bon. Et comme ça même, il ne faudrait pas aussi une rébellion, une madame là qui peut révéler ça, il n'a pas bon. Nous vivons comme l'islam, puis nous enseignons. Un monsieur, un chef, madame là l'a accepté. Monsieur là, il n'a pas le droit de faire dominer. Et madame là, elle a tout ce droit, chacun a ce droit, c'est pour vivre comme l'islam, puis nous enseignons. Inch'Allah, ça, les pour pour éviter le problème. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma inni uharriju haqq al-dha'ifain al-yatim wal-mar'ah. Oh Allah, on peut considérer haram, négligence, concernant le droit des deux faibles, l'orphelin et la femme. Ce hadith-là démontre-nous qu'il y a des faibles dans la société qui parfois peuvent faire dominer les autres, pas que les autres ont droit. Il y a des faibles dans la société qui parfois pas peut donner d'autres droits. Qui ça dit là ça? Un orphelin et des jeunes. Une madame veut dire, il y a une madame, comment dire, il y a des faibles dans la société, son monsieur peut faire dominer avec lui, puis abuse de son autorité, pas peut donner ce droit. Alors, l'esclave n'a rien dit contre ça. Si un monsieur, il peut vivre avec son madame, il peut faire dominer, ou bien, il est rigide, là, seule autorité, ça, il va écraser par des mots. Mais si un monsieur peut vivre, il n'a pas montré, comment dire, un chef qui, ce madame peut bien vivre, ou un esclave devant lui, nous allons vivre bien. Donc, ça, c'est un premier conseil pour un monsieur. Et un premier conseil qui est important aux deux garçons, mais demain quand tu peux marier, tu ne peux pas vivre avec toi, madame, quoi, elle est sentie, elle travaille pour toi, elle est sentie, quoi dire, inférieure devant toi. Non, vive bien d'une façon qui, par lui-même, les madame là, pour un respect pour toi, elle n'est pas pour une, pour renverser l'autorité qu'elle a d'avis, elle n'est pas. Ça, deuxième point, c'est, faudrait pas. Une madame, il ne faudrait pas un monsieur qui atteint la perfection, qui est côté monsieur, qui est côté madame, mais surtout côté monsieur. Et en vérité, réclame la perfection. Ça, c'est un plus grand erreur qu'un démon est capable de faire. Si nous réfléchissons, Allah Rabbul Alameen n'est pas un réclame de nous la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala réclame de nous la perfection. Allah ta'ala fin dire, celui qui fait une devant moi, sous balance, bon action de l'esprit lourd, fawa fi aïchati radiya, wa ibi ghaïa jannat. Celui qui se balance, mauvais action de lourd, les bons dans l'enfer. Et tiens, se balance, bon action de lourd, ça qu'Allah ta'ala fin devant nous. Il n'est pas devant nous pour nous gagner jannat, vin devant moi avec la perfection. Allah t'a créé nous faire intérieurement, nous faire pécher, alors nous ne sommes pas capables de vivre comme un pauvre au salatier. Alors parfois, il y a un miché sans réaliser, excepté un qui est mauvais. Il y a un miché qui est mauvais, mais il y a un miché, ils ne sont pas mauvais, mais ils ne sont pas réalisés comme si je me réclame la perfection de la part des autres, madame. Toutes les affaires, tu fais ici, tu fais là-bas, tu fais ça, tu fais ça, tel lien, tu fais fini, tel lien, tu ne peux pas faire ça. Alors, une madame n'est pas plus capable de vivre avec la perfection, comment dire, de se devoir
envers ce métier, ses enfants, sur la case, envers son homme, il peine à la perfection. Un métier bien réalisé, mon madame, envers son homme, il peine à la perfection. Moi-même, envers mon homme, il peine à la perfection. Est-ce qu'on peut, quand on peut atteindre mon madame, il a la perfection envers moi? Alors, comment un métier, il peut vivre avec son madame comme s'il peut réclamer la perfection, comme s'il peut atteindre la perfection? Alors, pour avoir un problème, mais madame là aussi, comment dire, elle trouve la vie, une loue, une amère, et elle commence à stresser, la santé commence à gâter, et une relation même, une relation tendue, mais je ne sais pas pourquoi l'amour causé, rire, badiner, pas pourquoi. Madame, il faut payer attention à dire quelque chose. Monsieur là, Pedro ou ça, c'est là-bas, on n'est pas à la perfection. Alors, ça c'est un conseil. Et nous finissons cette saga dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit, pour des pas, un mu'min, il y en a des goûts pour un mu'min, s'il est satisfait avec lui, une certaine qualité dans lui. Si il déteste une certaine qualité dans lui, il est satisfait avec lui, les autres ont une qualité. Ok, ça c'est concernant comment éviter la dispute. Nous avons un petit peu concernant la santé. Alors, un conseil comment vous préserver nous la santé. Premier conseil qui nous est cité. C'est nous vivre dans l'ibadat Allah. Nous vivre dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vivre dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il y a l'effet de nous l'écho. Il y a l'effet de nous la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nécessite sur la Kahf, non? Il y a un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand Fatima, tu me demandes un esclave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis avant qu'elle dormit, tu dis 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 34 fois Allahu Akbar, ça veut dire pour toi qu'un esclave, tu dis, dicar, il fait nous l'écho gagne la force, il fait nous l'écho gagne la force. Et Fatima, l'épéoulé, un esclave qui fait nous fatiguer. C'est-à-dire que l'écho est fatigué. Avec quand je travaille, il me rend un esclave. Le moment de dire que c'est meilleur qu'un esclave. Elle fait dire avant de dormir. Mais tu vois, ce qu'il me peut donner là, il peut donner quelque chose d'une telle façon qu'il n'est pas pour besoin de ce qu'il me demande. Qu'il me demande un esclave. Il me demande un esclave. Le moment de dire que c'est quelque chose meilleur. Il me donne elle fait dire. Mais ça dit là, pour devenir quelque la force dans ce travail qu'il n'est pas pour besoin. De un esclave. Alors, parfois, il y a une madame, tout madame, je grossesse pas pareil, il y a une madame, quand une madame, parfois, quand elle est enceinte, son grossesse difficile. Alors, un problème, un conseil, c'est pas négliger sa sunnala. Pas négliger sa sunnala. Même, pas nécessaire, enceinte, pas enceinte, de toute situation, quand tout le monde peut faire ça, il met sa sunnah en pratique, ça aide lui. Parce que ça dit que là, il y a l'effet de l'eau l'écho. Il y a l'effet de l'eau l'écho, les deux nous l'écho et la fausse. Ensuite, pour un bon conseil pour préserver la santé, c'est tout le temps remercier Allah pour tout ce qu'on fait et spécialement la santé qui nous fait jouir. Spécialement la santé qui nous vient. Il ne faut pas oublier, Alhamdulillah, mon bonne santé. Alhamdulillah, mon âme, mon pied, mon hygiène, mon oreille. Quoi dire, en bonne santé. Tant qu'il nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala, il continue à faire faveur ou non. Donc la santé, c'est un faveur. La santé, c'est un faveur. Si nous restons remercier Allah pour sa faveur là, Allah Ta'ala peut venir continuer à jouir sa faveur. Et si nous sommes morts, remerciement, Allah Ta'ala pourra rassurer ça
à Rastafarien. Quand nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment nous enseignons un doigt pour lever, quand nous pouvons lever le matin, mais quand nous avons ce doigt-là, on connaît chaque doigt qui fait nous faire tel doigt de tel lire, mais c'est même ça, c'est. Est-ce qu'il est capable de prendre doigt avant de rentrer dans la toilette, nous y aller avant de manger, doigt avant de manger, nous y aller quand nous lever, doigt quand nous lever, nous y aller quand nous mettre l'ins, mais pas rentrer. Chaque doigt, il est dans son place, il a une signification, il a une sagesse, il a un message. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous, quand nous lever, faire doigt. Qui doit? Le prophète dit, fait de staïqad, faliakul. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand un quelqu'un est levé le matin, qui lui fait sa doua? الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. الحمد لله لتؤيوس pour Allah, celui qui garde mon écho en bonne santé. C'est lui qui m'a fait lever le matin mon écho en bonne santé. Il dit, un démoni qui a dormi. Pas juste qu'il a dormi le matin quand il a levé, il a fait lever quand il a maladie. Un démoni qui a dormi le soir, quand matin, il n'a pas levé même. Il est venu attaquer les mots, ben ça fait comme ça. Alors quand il a levé, il dit, Alhamdulillah, il a dit, Afan, il fait jassali. Tu es l'ose pour Allah, tu remercies moi pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est moi avec un écho qui est en bonne santé. ورد علي روحي لنختم الروح بجمو فيما وأذن لي بذكري اللي بيعمل ما فيه صدقار اللي بيعمل ما فيه صدق دوكا مخيف ليش يسعدوا على ده مومان كي بيعمسينو كلية شاك ماتين كما بيليفي بنادت كي نبيليه كما مسلمان نبيليه كما مسلمان نلاحظوني بكماس كما ان بو مسلمان والله من ليفي مو بيخيني اسي توا تنغيبوا مام روح. Un reconnaissant veut dire, vous pas n'est pas moi comme un pestaqué dormi, pestaqué levé, il n'est pas comme ça. Un dimoni qui a mort de l'île, il a envie de dormir, il n'est pas bien sauvé, un dimoni qui a dormi, il est croyant pour lever, jamais il est levé. Alors, un musulman, quand il est levé, il me dit, Alhamdulillah, tu remercies moi pour Allah, il me fait moi lever. Et aussi, il me fait moi lever mon écho en bonne santé, et il peut permettre moi de faire ce dick. Veut dire, c'est un grand faveur en haut, un grand cadeau qu'Allah peut faire au moins. Je me lève, je peux faire ce dicre. Je peux connaître un drap. Je peux connaître un drap. Alors, quand nous réfléchissons à ce doigt-là, ce doigt-là, c'est un doigt que nous pouvons demander à Allah. Nous pouvons remercier Allah pour le faveur qu'il peut faire au nous. Nous pouvons jouir, nous, la santé. D'accord. Alors, la fin était وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Tant que je remercie Allah, Allah pour augmenter son faveur aux autres. Veut dire, nous avons envie de faire faveur aux nous, remercie. Nous avons envie de faire faveur aux nous, continue à remercier Allah pour son faveur. Donc, la santé, c'est un grand faveur. Nous remercie Allah subhanahu wa ta'ala comme ça à chaque fois. Nous remercie Allah tous les jours en matin, si nous bénissons à ça, voilà. Et pendant la journée, nous. Même si bien avant toi est spécifique, une parole pour nous-mêmes, nous remercions Allah Ta'ala, ou Allah nous remercie toi, ou Allah nous remercie toi, et demande Allah Ta'ala la santé. Alors c'est une façon, quand nous remercions Allah, Allah Rabbul Alamin, les pour continuer à faire. Nous suivons ça, par exemple, un jour, tous les jours, nous payons, disons, un passage devant sur la côte. N'est pas avec nous servir. À chaque fois qu'il nous passe passer, nous fait servir ce passage, nous disons, Zakallah, pour récompense-toi, Zakallah, la barakat de ton richesse, la table de barakat de la famille, de la santé. Puis, en façon de parler, nous pouvons continuer, les sous passent là. Mais nous pouvons passer là tous les jours, nous pouvons commander, nous signer ça. À un moment donné, les gars disent, ça c'est mon âme. Et parce que devant la peau tous les jours, moi-même, je peux avec lui, servir ça comme un passage, il peut passer là comme des polices. Mais le cas, à un moment donné, il prive de ça. Il fait, oh, arrête, passe là. Ça, c'est une mentalité de ça, hein, sans qu'il ne comprenne pas Allah Rabbul Alamin avec une créature. Mais
avec Allah subhanahu wa ta'ala aussi, tant que nous remercions Allah, voilà, on peut remercier toi, voilà, on peut remercier toi, tu me fais manger la santé. Puis Allah, pour faire travailler encore, pour faire nous continuer, je viens de la santé. Mais quand nous oublions que c'est la santé qui nous fait jouer, c'est un faveur à Allah, alors Allah nous a dit ça, mais il n'est pas drôle, alors c'est ça, un petit peu. Nous laissons pour aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un prochain, nous continuons. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك